diamant noir, s'il vous plaît. Salut, ma compte. Bonjour, ma chérie. Okay. Bon, je vous appelle depuis en Côte d'Ivoire. Ah, merci. Abidjan. Bon, par rapport à la vidéo que j'ai écoutée par rapport à le petit là, bon, si c'est ça, en tout cas, je n'ai pas dit que non, la manière que le petit a tué son papa, ça a été bien, non. Mais si c'est ça seulement, le petit, moi, je ne peux pas accuser le petit. Tu sais pourquoi, ma quand je me dis ça? Je prends un exemple sur moi-même. Aujourd'hui, moi, mon premier fils là, mon premier fils, aujourd'hui, on m'a interdit de voir mon enfant. Aujourd'hui, là, mon enfant, il a 14 ans. Mon enfant a peut me dépasser aujourd'hui, là, il ne veut pas reconnaître mon enfant. Quand je m'en vais voir mon enfant, quand sa maman, sa grand-mère vivait, je partais voir l'enfant, mais depuis sa grand-mère décédée, quand je m'en vais voir l'enfant, la femme de le monsieur, elle, sa soeur, grossement, elle me frappe parce que je n'ai pas quelqu'un derrière moi. Aujourd'hui, l'enfant a 14 ans, l'enfant ne le connaît pas, je ne connais pas l'enfant. Maintenant, est-ce que demain, l'enfant dit, ah, son père n'a qu'à me montrer, et puis son père ne m'a pas montré là, et puis il fait du mal à son père. Il va accuser l'enfant ou il ne va pas accuser l'enfant? Non, ma coche, il va accuser ou il ne va pas accuser l'enfant? Aujourd'hui, est-ce qu'une mère, on peut interdire une mère devant son enfant? Donc, en tout cas, moi seulement, je n'accuse pas le petit de faire du mal à son papa. Je n'accuse parce qu'aujourd'hui, je suis dans le même problème. Aujourd'hui, mon premier fils, il a 14 ans. Je ne connais pas mon fils aussi ne me connaît pas. Donc, si demain aussi, là, mon fils fait du mal à son père à cause de moi aussi, là, les gens aussi vont s'asseoir aussi pour dire que non, mon fils n'est pas bien. Oh, pourtant, c'est son papa. La femme de son papa qui ont commencé. Attends, ma chérie. Attends deux secondes, je vais te donner encore la parole. On va t'ajouter les minutes. Je vais t'éclaircir parce que là, l'enfant vivait d'abord avec la maman. Et tellement que l'enfant était têtu. Voilà comment la maman, parce que nous tous, on donnait le tort au père. C'est là où, parce qu'il y a une fille du quartier, dans le même quartier, qui était venue témoigner là tout à l'heure. Donc, elle nous a fait comprendre que l'enfant vivait d'abord avec sa mère, et tellement que l'enfant est têtu, voilà comment la maman a pris l'enfant pour aller laisser l'enfant à son père. Donc, son père ne l'avait jamais interdit de ne pas. C'est-à-dire, c'est un mythomane. Ce petit enfant-là, c'est un menteur. Donc, comme il lui manquait de quoi dire, voilà pourquoi il a dit. Et déjà, il avait volé le sac d'argent de son père. Le sac d'argent de son père, après le travail de son père, il connaissait là où le père a coché l'argent, parce que c'est un motoman, Bensikim. Donc c'est ça qu'il allait faire ce qu'il a fait de son père. Et donc, comme il lui manquait de quoi dire, voilà pourquoi il a dit devant les autorités que non, le père lui refusait d'aller chez la maman, tandis que c'était faux. C'est la maman qui a pris l'enfant, allait déposer chez le père en disant que notre fils là me dépasse. Prends-le un peu pour que tu l'éduques comme il faut. Moi, il me dépasse parce que la maman a eu quatre enfants avec le père en question. Donc voilà, c'est ça que je voulais t'éclaircir. Donc tu peux reprendre ta parole. Bon, moi, bon, ce que j'ai écouté par rapport à la vidéo de le petit, c'est ça, moi, je me suis basée dessus. Parce que le petit dit que non, que son papa l'interdit de voir sa mère. Donc, c'est pour cela que non, lui, il a essayé de le blesser là, il s'en va à l'hôpital, il va fuir pour partir chez sa maman. Bon, c'est ce côté-là, moi, j'ai écouté. Donc, c'est pour cela que moi, je me suis basée dessus. Non. Les autres là, moi, voilà, les autres là, ça, je n'ai pas compris ça. Par rapport à ce que le petit a dit, c'est pour cela que je dis, si c'est vrai ce qu'il a dit, il a fait du mal à son père, je ne peux pas accuser le petit. Parce qu'aujourd'hui, je suis dans le même problème. Donc, je ne peux pas accuser le petit. Si c'est vrai ce que le petit a dit, c'est ça que j'ai dit. Sinon, je n'ai pas dit ce que vous avez dit, c'est faux ou bien c'est vrai. Non, je n'ai pas dit ça. Par rapport à la vidéo que le petit a dit, il a dit si c'est vrai seulement, il a fait du mal à son papa, je n'accuse pas. Parce qu'aujourd'hui, mon fils, il a 14 ans, moi aussi, je ne le reconnais pas. Demain aussi, là, quand il va tuer son papa aussi, là, c'est les gens aussi vont s'asseoir pour dire que mon fils, là, il est criminel. Donc, c'est pour cela que moi, je dis ça. D'accord. Mais vous avez raison parce qu'il y a certains. Écoutez très bien cette réalisation. Bienvenue à cette édition du 20h. Nous sommes déjà en direct.